Des salutations à vous tous qui nous suivez de partout. Et bien voilà, c'est son rival. Nous sommes ici à l'aéroport international d'Intili où on est venu accueillir nos frères de l'Europe, de la diaspora. Il s'agit des RCK, un grand mouvement combattant, aujourd'hui un parti politique. Ils ont décidé de venir soutenir le chef de l'État. Je viens juste d'atterrir à 10 minutes. Ouais, j'attends. Ingeta. Ouais. Le président Jean-Martin Salé Bongenge. Voilà. Ben voilà, comme vous l'avez remarqué, c'est l'arrivée de Martin Salé, qui est président de RCK. Ah oui, ici à Kinshasa, au sol congolais. La République démocratique du Congo reçoit Martin Salé en combattant des premières heures. Ah oui, ça fait du bien quand même. Vive Fatih. Fatih Mobos. Qui ne gomme beaucoup. Oui. Martin Salé, qui n'est même plus à vous présenter, c'est un grand nom. Il a beaucoup fait pour la lutte, pour la résistance, pour les combats. Aujourd'hui à Kinshasa, après combien de siècles, après combien de temps, pas trop de commentaires, le sol congolais reçoit aujourd'hui Martin Salé, que je salue vraiment en passant. Bonjour Martin Salé. Bonjour monsieur le journaliste sans rival. Et j'ai dit bonjour aussi à tous les compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment, ceux qui sont ici en République démocratique du Congo et ceux qui sont restés dans la diaspora. La délégation de RCK très bien reçue, très bien accueillie ici. Nous sommes au salon VIP. C'est ici, Sika Bakonzebele, Bakote Laka, dans l'aéroport international d'Intili. Pourquoi tout cet honneur? Bon, moi je pense que on mérite. L'ouvrier mérite son salaire. On s'est battu pendant plusieurs années pour que aujourd'hui, alternance Yasika et Koka Koko Tanambo Kanabiso, bon, les lots alternance et Koti. Il y a un fils du pays, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que le président de la République, Azali Lelona Katamboka. Et en dehors de cela, vision, il y a RCK. Tolobaka qui est RCK photos à la bas acteur et non bas spectateur nakatiambo kanabiso. Tolobaka qui est RCK et Kobunda pour la libération totale. Et pour la libération totale, les RCK devaient venir travailler na terrain. Parce que na diaspora c'est bien beau. Donc il faut minimiser combat ya diaspora. Mais tous décider tolobi koyo kana musika. Comment on a la musique, mieux voto ya awa. Et si bande konabiso bazo koufa, bande konabiso bazo souffrir, bande konabiso baza ko bunda bitumba, il faut to bunda et longo na bango. Et non biso to bunda ka na musika, bande konabiso bazo koufa. Ah, c'est ko koufa. To koufa na bango ensemble. Yango to ye awa poto banda travail musala. Très fatigué, je crois que je vais pouvoir vous libérer, mais un petit mot de la fin, vous suivez partout par rapport à vos anciens copains, collègues du combat, je citerai, comment il s'appelle encore, Peuple Mokonzi, Oyoba Fingio, Makasi, Martin Salé, Sali Bangonini, Vamababoketuba Fingio, tout. Bon, moi personnellement, ici c'est la République démocratique du Congo. Je peux pas citer les noms des gens. Nakata République démocratique du Congo, Tozan a besoin y a bah fils et filles dignes de la République pour la reconstruction du Congo. C'est ce que nous voulons. Les insultes, les calomnies, les divisions, ça nous intéresse pas. Au contraire, le RCK prône sur l'unité du peuple congolais. Soki tolingimboka na biso etongama, tozana na bomoko tolingimboka etongama, comme la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, toluka to bongisa, toluka to tonga, na ba division, na ba insulte, eza komema biso nulle part. Tozana na bomoko tant que bana ya République démocratique du Congo,
po mboka na biso ekene malamu et la misala ebandi et lokwa liboso toza ko sala ezali et toujours to sala ba démarche pour toujours agrémentation il y a parti politique et puis to ko kakoye ba comment nous devons travailler na kati ya ensemble et à territoire pas seulement na Kinshasa un peu partout. La dame de fer n'a qu'à t'acquitter. Kinshasa est indi avec l'arrivée de RCK. Comme vous les remarquez vous-même, mais voilà, les vrais combattants sont ici. Les vrais combattants sont arrivés aujourd'hui. En fait, les vrais combattants d'Europe. Les vrais combattants d'Europe sont là pour soutenir la vision du chef de l'État. Eh bien voilà, ça coule à flot ici à Kinshasa. Nous mettons dans l'huile. Ah oui. On va déraciner Papa Bakal Kalamini. Pois aí.